Maestro, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très très bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Oui, je suis un peu en retard, mais vous me connaissez, je pense, déjà depuis le temps. On va découvrir, du coup, chose que tout le monde a déjà découvert, l'invitation d'une personne qui est connue au bataillon, hein, qui est très connue au bataillon, puisque elle vient de Movie Star Planet 2. On va enquêter un petit peu sur son cas. Et pour vous remercier de regarder mes vidéos, je vais vous faire gagner à chaque vidéo maintenant des drips et des pixels. Et pour cela, il suffit juste d'être abonné à la chaîne, de mettre un petit like et de lâcher votre commentaire le plus original suivi de votre pseudo et le gagnant ou la gagnante de la vidéo précédente. Et... Okay, je viens de me connecter. La situation est la plus belle, mi amore. C'est pas moi qui ai mis ce que fais-tu, hein. Mais du coup, j'attends l'invitation de Nova Star, hein. Où es-tu, Nova Star? Elle veut pas être amie avec les situations. Oh, cette chouin. Pourtant, je crois que je me suis pas connectée depuis. Attendez, on va vérifier quand même. Ah ben voilà, ben merci, hein. Nova Star, qui es-tu? Nova Star t'a invité à être amie. Est-ce qu'on l'accepte? Est-ce qu'on peut décliner? On va essayer de décliner, voir. Ah mais on décline. Mais ça reste, d'accord. Mais Nova Star, qui es-tu? Mais qui suis-je? Mais qui sommes-nous? Mais qui es-tu, toi qui regardes cette vidéo? Mais qui es-tu? Bon, on va bien sûr accepter, puisque bon, on aime bien gratter l'amitié pour gratter des cadeaux. Et on va voir, bon, je vous avouerai que je connais déjà ce qu'elle va nous offrir. Hein, parfait, des cadeaux. Wouhou! On adore des petits cadeaux. Honnêtement, moi je vous dis, gardez-les les cadeaux là, parce que moi je les trouve vraiment sympa, surtout la robe. Bon, les garçons, je suis désolée pour vous, hein, vos cadeaux sont moins famous, sont moins originaux, je trouve quand même, que la robe de... pour les filles. Dommage, dommage. Il y aurait tellement pu faire tellement d'autres choses. Mais du coup, faut m'expliquer, parce qu'il y a marqué sponsorisé, et c'est, bah, je crois bien que c'est la première fois que sur le serveur français... on est un compte entre guillemets sponsorisé. Bon, en même temps, c'est Movie Star Planet qui se sponsorise tout seul au final, puisque c'est le sponsor de Movie Star Planet 2. Donc là, va falloir m'expliquer où est la logique. Qu'est-ce qui se passe? C'est comme si, je sais pas, avec ma chaîne Gachazelle, je me sponsorisais ma chaîne Quinzel. Enfin, c'est un peu chelou, non? Genre, on se sponsorise soi-même, c'est un peu. Voilà. C'est plus du sponsoring, c'est genre, c'est on s'aide soi-même, quoi. Mais bon, du coup, Nova Star, qui avait été déjà annoncé depuis un petit moment, je pense, avec cette page, cette fameuse page d'accueil, dans lequel on voyait un personnage sur un fond noir. Du coup, on savait pas c'était qui, mais bon, hein, on va pas se mentir. Hein. 90% d'entre vous saviez déjà que c'était Nova Star, puisqu'on l'avait déjà vu sur MSP2. Et du coup, là, elle est là, elle sert à quoi? Je ne sais pas. Pourquoi elle est là? Je ne sais pas. C'est un petit peu chelou, je vous avouerai, puisque pour moi, ça commence à être trop de rapprochement entre MSP1 et MSP2. Je pense que déjà, de base, s'il y a des gens qui vont sur MSP2, c'est qu'il y a quand même des différences avec le MSP1, sinon il n'y a aucun intérêt à changer de jeu, hein, va falloir me dire. Et ici, on peut du coup découvrir le profil de Nova Star. Donc on est amis avec elle, on voit dans son Que fais-tu créer un artbook impressionnant représentant une salle de chat. Plus d'infos dans mon... Darbook. Ok, on va aller vérifier ça, parce qu'il me semble qu'avant Nova Star avait marqué dans son Que fais-tu autre chose. Mais d'ailleurs, on peut voir ce qu'elle avait marqué. Je vais être dans sa casque, je déconne. On va aller voir. Voilà. Coucou, je m'appelle Nova Star. Suis-moi pour recevoir les dernières infos sur MSP2. Donc il est intéressant de surveiller, pour ceux qui n'ont par exemple pas accès à Movie Star Planet 2, de surveiller un petit peu les nouveautés qu'il y a dans le Que fais-tu de Nova Star, puisque Nova Star va nous donner des informations sur peut-être les dates ou nous dira directement quand MSP2 sera ouvert à tout le public, pour tout le monde. Donc je pense que c'est important quand même de l'accepter, hein, malgré tout, même si elle va polluer un petit peu nos amis, hein, étant donné qu'elle va prendre une place comme Pixie Star. Et Pixie Star, hein. Tu peux regarder Pixie Star, tu sers à rien. Tu sers à R, t'es qui toi aussi? Bon, moi ce qui m'intéresse c'est de voir, voilà, c'est ça, ça, oh c'est pas vrai ce qu'elle a fait, enfin ce qu'elle a fait, c'est ça, comme si c'était vraiment elle qui l'a fait, non la personne qui a créé le compte, voilà.
aidez vos amis. I am Nova Star, hello from MSPDio. Ok, MSPDio, j'ai envie de te dire, meuf, on est sur le serveur français. Est-ce que tu peux parler français? Merci bien. Hein? On va regarder du coup son artbook chat. Crée un artbook montrant l'endroit où tu rêverais de voir une salle de chat. D'accord, mais est-ce que vu que c'est Nova Star qui propose de faire un artbook, est-ce que du coup le nouveau lieu qui... Parce que je pense que s'ils demandent ça, c'est pas pour rien. C'est qu'ils vont certainement créer une nouvelle salle de chat avec un nouveau lieu. Mais du coup, pourquoi c'est pas Pixie Star qui le fait? Si c'est Nova Star qui le fait, est-ce que du coup elle fait ça pour savoir ce qu'ils vont rajouter sur Movie Star Planet 2? Vous voyez ce que je veux dire? Après, si je devais choisir entre... Je pense qu'on peut choisir pas seulement entre ceux-là, on peut en prendre un autre, on est obligé de prendre ceux-là, mais en vrai, moi je verrais bien une salle de sport, quoi. Une salle de sport, ça peut être cool quand même, non? Genre, on peut interagir avec... puisque vous savez que dans Movie Star Planet 2, on peut interagir avec les objets, enfin la plupart des objets autour de nous, pas tous, mais la plupart. Et ce serait bien une petite salle de sport, de musculation, où nos Movie Stars pourraient faire genre les baraquets en soulevant des poids que nous, dans la vraie vie, on soulèverait jamais. Donc voilà, comme ça, quand on vient te faire chier, tu dis, bah non, je suis occupée, je fais du sport. Alors que c'est un Movie Star qui le fait. On va regarder un petit peu juste les commentaires. Ok, donc c'est juste des personnes qui disent de venir voir leur artbook. Rien d'autre de spécial par rapport à Nova Star. Donc, concernant son profil, du coup, il y a la petite planète Movie Star Planet 2 bêta. Je la trouve sympathique. C'est un peu bizarre parce qu'on a l'impression que la qualité de la planète de Movie Star Planet 2 est 46 fois meilleure que la tête de profil de Nova Star. J'ai l'impression que la tête de profil de Nova Star, on a fait un zoom dégueulasse sur sa tête, pixelisé. Et à côté, tu mets un logo qui, lui, par contre, est absolument pas pixelisé et tout beau. Donc, j'ai l'impression que son image, elle est floutée à Nova Star. Bien qu'en bas, elle s'affiche plutôt pas mal. Bref, est-ce qu'il y avait autre chose ici? Non. Donc, ici, on a tout regardé. Par contre, ça, j'ai pas compris. Aidez vos amis. Ah, aide nos amis à se retrouver au milieu du labyrinthe. D'accord. Donc, en fait, il faut faire le labyrinthe. Je vous avouerai, j'ai un petit peu la flemme. On s'en bat les stacks. Et on va regarder un petit peu du côté de ce qu'on peut voir chez elle. C'est-à-dire, peut-être, on a accès à sa chambre. Est-ce que... Attendez, elle a un livre d'or, non? Est-ce qu'elle a un livre d'or? Non, elle n'a pas de livre d'or, on est d'accord. On est d'accord qu'elle n'a pas de livre d'or. On va regarder un petit peu. Elle n'a pas de design, elle a les deux photos, elle n'a pas de film. Elle a les deux artbooks qu'on a déjà vus. Pas de look et pas de vidéo YouTube, pas de... voilà, rien. Donc de ce côté-là, c'est un petit peu vide. Elle est judge et célèbre. Bon, son profil est un petit peu vide. Ma chambre, allez dans ma chambre. On va aller dans sa chambre, du coup. On va découvrir sa chambre. Alors, elle a pas de boonies. Par contre, j'avoue, plutôt pas mal, hein, sa chambre. Elle est plutôt... Attendez, mais regardez, vous avez pas de... Vous n'avez pas la possibilité de changer, d'aller dans son jardin, dans sa chambre, dans sa cuisine, dans sa salle de bain, dans ses toilettes, ce que vous voulez. On ne peut pas changer de pièce. On ne peut pas changer de pièce. Le piano, par contre, il est vraiment pas mal. Excited for Movie Star Planet 2. Donc ça, c'est le poster qu'on reçoit en cadeau de Nova Star, si tant bien est que vous l'acceptiez. Non, franchement... Oh, regardez. Et ça, si c'est... J'arrête vraiment de gueuler, mes voisins ils vont me détester. Oh, je vais me détester moi-même. Bon, mais ça c'est un signe. Ça veut dire les citrons, vous allez tous venir sur Movie Star Planet 2. Vous serez des VIP sur Movie Star Planet 2 puisque Nova Star, elle a un citronnier dans sa chambre. Qu'est-ce qu'il y a maintenant? On est VIP à ses yeux. Bon, sinon à part ça, à table basse, tout ça. Bon, sa chambre elle est vraiment pas mal, sympa, simple, mais bien. Donc. Donc voilà, rien à dire. Les petits cadeaux qu'elle a donnés, ça va. Mais bon, voilà, je pense qu'on va faire un petit peu le tour. Et encore une fois, comme je vous dis, n'hésitez pas, je pense, à l'accepter. Surtout, je pense que c'est vraiment le plus important, c'est par rapport aux news sur Movie Star Planet 2. Si vous voulez vraiment être informé. Par contre, si ça vous intéresse, hein, parce que si ça vous intéresse pas, à la limite, hein, peut-être juste pour les cadeaux, quoi. Enfin bon,
Dites-moi en commentaire ce que vous pensez également de cette Nova Star, parce que moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, je trouve ça pas très logique, encore une fois, qu'on ait un personnage de MSP2 sur le MSP1. Enfin, il y a trop de similitudes, il y a trop de choses qui se ressemblent, c'est trop copié d'un jeu à l'autre, et j'espère vraiment que, encore une fois, MSP2 se rattrapera avec les créations de films. J'ai vraiment, vraiment hâte de voir ce côté-là du jeu. Et écoutez, moi sur ce, je vous laisse, je fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Gros bisous à vous et ciao, ciao!